Moi, je m'appelle Louis Bayon Fokwe. Alors, je travaille ici depuis 2 ans. D'accord. Oui. J'ai commencé au niveau du four. Nous on fait les pizzas turques. Il y a les karishi pide, il y a kusubashi pide, il y a aussi tabou pide. Et les plats en kilomètres. Où on a 1 kilomètre, tabou kilomètre. Et karchi kilomit qui est des mélanges de viande et de poulet. Je m'appelle Sambra et Gonzo de Francis. Je suis cuisinier à Istanbul depuis 2011. J'ai appris à faire la cuisine turque depuis que les Turcs sont au Cameroun en tant que stagiaire. Et j'ai appris à faire la cuisine turque grâce aux professionnels turcs qui étaient là au Cameroun. Je suis karishi sgara, patidjan kebab, lamajo, karishi pide, kusubashi pide. Tous ces plats-là, ce sont les meilleurs délices de Turquie. Mon rêve, c'est d'arriver en Turquie un jour et devenir un bon cuisinier turc et qui aimerait apprendre aussi encore la grande cuisine turque. Télévision Turquie. Je suis ici avec ma famille, c'est la famille Sop. Nous sommes venus passer quelques moments agréables ce dimanche après le culte. Donc nous sommes en train de manger un plat turc, c'est le kebab. Benim ismim Adnan Demirağ. 2013 yılından beri Kamerun'da restoran hizmetçiliğini vermekteyiz. Bu 70 personelimizin arasında 69'u yerli personel, sadece bir Türk aşçısı var. İşletmemiz yaklaşık 9 yıldır Türk yemekleri ağırlıklı hizmet vermektedir. Ayrıca bunun yanında Kamerun yemekleri ve dünya mutfağı gibi yemekler de var ama ağırlığımız %70 Türk yemekleri. Kamerunların el becerileri çok iyi. Yani bizim bir Türk aşçı bir kere gösterdiği anda hemen kapıyorlar. Bunda hiç zorluk çekmiyoruz. Yaklaşık 2 okulla anlaşmamız var. Yılda en azından bir 50 tane stajyer yetiştiriyoruz.